super contente d'avoir pu rouvrir le 11 mai, de s'être retrouvées toutes les trois. Ça nous a vraiment finalement apporté plus de certitude que d'inquiétude. Ça m'a fait plaisir de retrouver mes collègues parce qu'elles m'ont beaucoup beaucoup manqué. J'ai l'impression d'être une enfant. Alors pendant le confinement, j'ai continué à livrer un petit peu, mais à partir du stock existant. On a créé notre chaîne YouTube sur laquelle on fait des petits conseils. Et depuis la reprise, c'est assez fou, la clientèle est vraiment là, on a beaucoup de commandes. Je pense que les gens ont vraiment manqué de lecture. Des fois, il y a la queue devant la librairie, c'est assez dingue. Et même ça, les gens se lassent pas, ils nous disent « mais c'est génial si on attend devant la librairie, c'est que ça fonctionne ». Et effectivement, ça fonctionne. C'est un espèce de retour au lien local et on peut dire que merci. Et... on reprend les bonnes vieilles habitudes et on revoit du monde. On retrouve une vie sociale. Ça fait vraiment plaisir. On a pu rouvrir la partie extérieure du salon de thé depuis le 2 juin. Et par contre, malheureusement, presque ce qu'on aime le plus, c'est nos ateliers. Et eux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On pense reprendre un rythme normal de rencontres et de dédicaces à partir de septembre. Et on a hâte parce que ça nous manque beaucoup. Aurora Squad, en quelques mots, une équipe de têtes brûlées et une aventure dans l'espace. C'est le feu. La prière des oiseaux, c'est une histoire d'amour impossible entre deux personnages très attachants. Les lendemains, une reconstruction, une ode à la nature. En condition Covid, du coup, on porte toutes les trois le masque. On ne sent rien avec le masque, c'est bien dommage. Non, ça ne marche pas. Oui, j'aime beaucoup l'odeur des lèvres. On suggère aux clients de le faire aussi, même si ce n'est pas une obligation. On a du gel hydroalcoolique, le très beau gel de Frédéric d'ailleurs. On limite à 3 personnes dans le magasin. On a fait un espèce de sens giratoire. Intersection. Je suis très contente d'être venue et ça me fait plaisir de retrouver les clients.